Mesdames et messieurs, il vaut mieux rester chez soi en ces temps tumultueux. On signale de nombreux combats entre insurgés civils et forces d'occupation allemandes sur toute la côte est occupée. Le ministre de la propagande allemande a annoncé ce matin que le président américain Thomas Dewey et le vice-président Halley avaient déjà renoncé à leurs fonctions. Aucune justification n'a été apportée. Le président de l'Assemblée, James Edward Stevenson, a été nommé président peu de temps après. Sa première décision a été d'annoncer la capitulation des États-Unis et de demander à l'armée de baisser les armes. Et nous venons d'apprendre que le général George Donnelly, défiant les ordres de Stevenson, a mené une attaque sur la cour fédérale à Washington, où se trouvait le ministre de la propagande. Donnelly a été capturé. Considéré comme traître, il risque la peine capitale. L'exemple de Donnelly inspirera certainement les forces de la résistance qui combattent l'occupation allemande. C'était Lloyd Edwards. Bonsoir. Hé les gars, regardez ça! Les Boches sont en train de nettoyer le quartier! Tu crois qu'ils nous cherchent? C'est pas ce que vous voulez! Schau dir den mal! Was für ein Versager! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Thank you.
Impossible de passer par là. Je vais verrouiller la porte. Mais ça les arrêtera pas. Nous avons barricadé les portes à cause de ces soldats, mais le grenier est ouvert. Chut. Arrête, Clarisse. Sortez d'ici. Allez trouver votre complot. Que tu me supplies pour ta vie. Supplie ! Supplie ! Thank you.
soeben einen Anschlag auf die Fabrik in Sektor C verübt. Alle verfügbaren Kräfte sind dazu angehalten, das Gelände zu durchsuchen. Es wird ohne Vorwarnung geschossen. Zivilisten, die den Flüchtenden Hilfe leisten, werden exekutiert. Ici Castleton, notre position est compromise. Prenez le général et retrouvez-nous dehors.
ist denn jetzt schon wieder? Un nouveau prisonnier. Attention, petit! Merci, Carson. Je ne m'attendais pas à vous voir ici.
personne. Par ici. En avant. Ce soir, nos sources nous confirment que l'ancien général George Donnelly s'est échappé pour continuer à lutter contre les envahisseurs. Donnelly affirme que le gouvernement allemand a développé une nouvelle arme apocalyptique, une bombe atomique, capable de détruire toute une ville en une seule explosion. L'administration allemande a refusé de reconnaître l'existence de cette bombe, qui est censée être testée sur une ville américaine. Et le président Stevenson a déclaré que les propos de Donnelly étaient ceux, je cite, d'un traître colportant des rumeurs. Mais il a refusé de s'exprimer sur... Quel sale collabo, ce Stevenson. C'est la troisième cette semaine, Angelo. Les télés ne sont pas gratuites, tu sais. Cette crapule n'est pas le président. Quelqu'un se souvient avoir voté pour lui? Du calme. C'est pour ça que le général a demandé cette réunion. Nous allons l'éliminer, ce soir. Nous allons tuer le président? Ça pose un problème à quelqu'un? Sûrement pas. Tu l'as dit toi-même, petit. Personne ne l'a élu. Ce n'est que le caniche des Schleux depuis des années. Alors, je vais avoir besoin d'une section de démolition et de trois sections d'assaut. Une en infiltration et deux en suppression. Carson, tu es le meilleur tireur. Montre-nous ce que tu sais faire.